Me revoici donc en bas, comme vous pouvez voir, je viens d'atteindre à l'instant la bedrock, donc j'ai dû descendre à peine une quinzaine de blocs. Voilà. Donc poser deux trois torches comme ça. Hein, bon, voilà. Alors, je commence toujours, c'est par la couche 5, donc je vais remonter à la couche, que mes pieds soient à la couche 6 plutôt, de façon à éviter la bedrock au maximum. Et même, je rebouche comme ça. Voilà. Ça, je sais que je ferai à ce niveau. Je ne charge jamais dans les couches 0 et de 0 à 5. Parce que la bedrock m'ennuie souvent dans... La bedrock m'ennuie souvent. Mais mon chrono est... Bon, ok, oui. Attends, c'est parti. Voilà, une belle. Ça pas mal. Non, allez, alors, on se coupe ça. Allez. Bon, donc si je peux accélérer ce passage, je le ferai. Je sais pas comment on accélère avec Rap. Redstone. Et je n'ai pas de fer. Et ça, c'est encore ma souris. Voilà, donc je... C'est l'épisode 4, hein, si j'ai bien compté. Je suivrai vos conseils. Bon, ok, je vais remonter. J'ai pas de... Et ben je pense que je vais me faire un petit aménagement ici parce que pour monter c'est un petit peu chiant. Bon donc voilà, hein, c'est très long et je ne sais toujours pas quoi vous dire. Ici c'est du charbon que j'avais récupéré. Je l'ai filmé ça il me semble, oui c'est ça. Bon, pas très intéressant en ce moment. Mais... Dès qu'on aura du diamant, des trucs comme ça, ce sera intéressant. Ou alors je vais faire quand même un épisode. Lui faire un combat, si vous avez un nom pour ce petit chien, ben, je serais ravi de l'entendre. Même si dans la vraie vie, je n'aime pas beaucoup les chiens. Je gravel. Ah, j'ai du siècle. Ça me semble intéressant. Le gravier, je vais peut-être le garder. Bon, ça me semble que j'ai besoin de s'en servir. Qu'est-ce que j'avais besoin, je sais pas. Bois. Alors, du bois. Ouais, enfin, j'avais surtout besoin de faire des pioches. Donc, on va se faire un même de pioches. Ah bon. Pareil, j'aimerais bien me faire ma petite avancée. Je vais modifier et faire ça. Ça, c'est plus gentil. Donc, je rappelle, hein, majuscule, et puis vous cliquez sur ce que vous voulez vous débarrasser, et puis ça va encore. Directement. Ah, c'est du pas charbon, ça va. Bon. Je me demandais pourquoi il se mélangeait pas à l'autre. Alors, jour. Jour. Allez, on va changer un petit peu. Allez, un creeper pour vous faire marrer. Et ben c'est pas aujourd'hui que vous vous marrez.
Et pourtant, je n'ai pas changé. On est d'accord? Pourtant, il y a des creepers en mode easy, hein. J'en ai vu. J'en ai vu encore là-bas. Il y a le jour précédent. Hein. Bon, alors le problème, c'est que ici, c'est assez montagneux, mais je me repère assez mal. Donc, ça là-bas, c'est très joli. Une nuit flottante. Vous en voulez une part? Non, je sais, ça c'était mieux. Bon. Ah oui, eh ben je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. On va un petit peu, hein. Il me reste combien? Ah, il me reste que 2 minutes. Ben non, même pas, c'est fini. Ben écoutez, je coupe cette vidéo et on reprend ici tout de suite pour extraire ceci. Bienvenue à l'épisode, il me semble 5. Je suis pas sûr. Attendez, je vérifie. Apparemment c'est plus que ça. Apparemment c'est plus que ça. Je sais pas, j'ai pas. Apparemment j'ai pas compté. Donc ceci, c'est de. Oh, pousse-toi la poule. Ceci est de l'argile ou de la craie. C'est pas de l'argile, de la craie, parce qu'il n'y a pas de. C'est marqué craie de, sur le jeu. Mais ça sert à faire des briques. Et les briques, donc objets décoratifs, c'est pas plus. C'est pas plus costaud que de la cobblestone. Il me semble, d'après le n'importe qui. J'ai une belle quantité en plus. C'est assez rare. Si la souris veut bien arrêter ses bêtises, nous continuerons un petit peu. Je regarde je sais qu'une pelle me serait utile, mais je n'ai pas pour habitude d'en faire. Ok. Apparemment, j'en ai. Allez, donc j'en ai combien? Oh, j'en ai un stack, plus d'un stack et demi. Ben voilà, donc pour ceux qui savent pas faire les briques, je leur apprendrai tout à l'heure. Bon, du charbon. Sinon, je mettrais bien une mine à 2-3 ans. Alors vraiment, je continue du Pokémon. Oh. Bouge pas toi. J'ai besoin de toi. C'est vrai que je me balade sans mon chien, alors que... Ouais, le problème c'est que j'en ai qu'un. Je suis pas sûr de réussir à le dompter avec un. Wouf. Wouf, wouf. Wouf. Ah bah si. Eh, en fait ils sont super faciles à dompter, mais je sais pas, de temps en temps, ils en demandent 5-6 avant d'être domptés. Bon, écoute, tu vas te balader avec moi, toi. Tiens, allez, je vous montre une petite démonstration. Allez, hop, je l'ai frappé. Ouf, voilà. Donc, très efficace, hein, le chien. Je ne sais pas comment il fait de dégâts. Il touche le cochon, il va buter le cochon. Mais, plus efficace, hein, le cochon. C'est de le buter à la... au briquet. Ok, c'est nettement plus efficace. Alors, je suis à la recherche de fer, étant donné que de temps en temps, sur un coup de vol, on en trouve sur une paroi. Wouf. Wouf. Ici. Yeah. Excusez-moi. Ah oui, les creepers, le chien ne s'en approche pas. Cherchez pas.
Parce que sinon, c'est vrai que, comme le dit Arnaud00, je crois que c'est Arnaud00, le creeper se pète à la tête du chien et c'est pas cool. C'est ici que ça se passe. Voilà. Oui, t'es pas tout ce que tu veux. Allez, hop, tiens, rentre. Alors, sors-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu baisses la tête? Ah, oui. Alors, quand il hoche la tête, c'est parce qu'il réclame à manger. Parce que actuellement, j'ai de la nourriture dans la main. Il baisse également la tête lorsque leur santé est assez bas. Mais ça peut être aussi très intéressant, c'est s'ils se baladent un petit peu loin de vous que vous en avez besoin. Vous prenez votre viande. Voilà. Et puis il va se ramener vers vous. Ça me fait marrer comment ils baissent leur tête, c'est marrant. Oh. Allez. Crevard, quoi. Bon. Voilà. Ce serait peut-être pas mal que je serais bouche quand même. Ah, il me pompouille. Bon, allez, hop, je vais mettre un petit stack. Donc, je vous avais expliqué la théorie sulfure. Ou pas? Je sais non plus. Bon, ça fait rien, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, astuce qui me vient des minutes de connaissance. Je vais mettre un portail de fil. Tant pis, tu passeras la nuit dehors. Tu montreras la garde. Allez, je déconne, viens là. Moi, t'es censé pouvoir sauter. Ou pas. Bon, il me descend, il me suivra bien en bas. Une fois que je serai en bas, il devrait se téléporter avec moi. Ou même ici, tiens. Voilà. Là, en plus, c'était dans la flotte. Hop, allez, tu vas t'asseoir ici. Allez, tu bouges plus. Alors, les chiens dans les mines, c'est une vraie plaie. Je vous préviens tout de suite. Parce qu'ils vous poussent, ils se prennent des coups de pioche, parce qu'ils se mettent devant vous. Donc désactivez vos loups quand vous allez dans votre mine. Alors moi ma mine je la fais intégrer à ma maison. Je sais qu'il y en a certains qui ne le font pas, qui font une mine indépendante de leur maison. Voilà. Bon écoutez, cette vidéo touche à sa fin parce que je vois que mon chrono touche à sa fin. Il reste quelques secondes. Donc plutôt que de vous faire entendre les bip bip, j'arrête maintenant. Allez!